Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour ma vidéo sur mes cadeaux de Noël. J'espère que vous avez toutes et tous passé un super bon Noël. En tout cas moi j'ai passé un Noël absolument extraordinaire. Je suis rentrée en France, j'ai vu toute ma famille, j'ai pu passer du temps avec tous ceux que j'aime. Donc c'est vrai que j'étais vraiment contente de ça. Et il faut dire aussi que j'ai été vraiment très très gâtée. J'ai l'impression en fait que plus je grandis, enfin plus je vieillis et plus je suis gâtée, alors que normalement ça devrait être le contraire. Mais là vraiment là cette année j'ai été vraiment super gâtée par toute ma famille. Et donc je me suis dit que ça aurait été rigolo de vous faire une petite vidéo sur les cadeaux que j'ai eu, si jamais il y avait des choses qui pouvaient vous intéresser pour avoir pour vous même et pour vous donner quelques petites idées si jamais vous devez faire encore des cadeaux et que vous n'en avez toujours pas fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc bien sûr je fais pas ça pour vous montrer voilà comme quoi je suis gâtée. Oui je suis gâtée, j'ai été vraiment très gâtée. Mais voilà, c'est juste voilà, une petite vidéo pour clôturer un petit peu la période de Noël. Et voilà, finir tout ça dans la bonne humeur. Donc c'est parti. Je vais faire un petit peu dans le désordre. Un des cadeaux qui a été vraiment l'un de mes cadeaux préférés. Bon, je vais pas dire que voilà, j'ai des cadeaux préférés et pas préférés. Mais celui-là, ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai une montre Fossile, de la marque Fossile. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu ma wishlist de Noël que j'avais fait, je vous mettrai le lien ici. Mais en fait, voilà, dans cette wishlist, je disais en gros que je voulais avoir une montre, voilà, soit de Daniel Wellington, soit Fossile. J'en avais trouvé quelques exemplaires qui m'avaient beaucoup plu. Et c'est vrai que ben, voilà, la montre là que j'ai, voilà, je vais vous faire passer une petite photo, mais voilà la montre que j'ai comme ceci, ben là j'ai craqué, enfin, surtout que c'était l'une de celles dont j'avais parlé. Et c'est mes grands-parents en fait qui m'ont offert. J'aime bien parce que avec la vidéo de ma wishlist de Noël, en fait je m'attendais pas à que ma famille la suive à la lettre. Enfin à la lettre. J'ai eu d'autres choses, je veux dire, mais je m'attendais pas à que ma famille vraiment en tienne vraiment compte. Personnellement, j'ai fait cette wishlist juste pour le fun, juste pour voilà faire une vidéo un petit peu comme les autres youtubeurs. Et là, franchement, là, j'ai été vraiment épatée de voir que ma famille voilà avait regardé, tous regardé la vidéo et s'était tous donné le mot pour essayer au moins de m'offrir quelques cadeaux de ma wishlist. Donc voilà, j'étais super contente. C'est vrai que cette montre, enfin, franchement, elle est magnifique quoi. Ensuite j'ai eu aussi un autre super cadeau cette fois-ci de mes parents. Alors mes parents, je sais pas aussi, donc je voudrais faire encore à ma vidéo de ma wishlist de Noël, mais m'ont offert en fait le Magic Trackpad. Donc c'est la souris d'Apple mais qui est plate, et comme ça vous avez juste à voilà, vous n'avez pas besoin de bouger la souris n'importe où, vous avez juste à passer votre main et faire défiler tout ça. Je l'ai essayé tout à l'heure et franchement c'est une tuerie ce truc. Enfin, ça va me changer la vie sérieusement pour tout ce qui est montage de vidéos et tout ça. Déjà que j'en bats avec ma souris parce qu'en plus elle arrête pas de faire du bruit et puis elle est dure à manier et tout. Et là franchement ça va me changer la vie quoi. Je vais prendre, enfin, au lieu de 2 heures de montage, je vais peut-être en faire qu'une heure. Donc je suis vraiment contente, vraiment heureuse de ce cadeau. Merci papa, maman. Enfin voilà, franchement je vous conseille si jamais vous avez un MacBook ou un, voilà, tout ce qui est de la marque Apple. Ça franchement c'est vraiment une tuerie quoi, ça marche du tonnerre. Ensuite, donc ma petite sœur, alors ma sœur, je crois que ma sœur elle veut que je mette vraiment à l'exercice, donc elle m'a offert une corde à sauter. Oui, j'ai une corde à sauter et c'est vrai qu'en plus c'est très très bon parce que voilà, la corde à sauter c'est vrai que ben, voilà, c'est très très bon, c'est un super bon sport. Donc moi je vais essayer d'en faire parce que c'est vrai que moi je n'ai pas une coordination très voilà, j'ai pas un équilibre exemplaire, enfin j'ai pas un équilibre super bon. Donc j'ai peur de me casser la figure à chaque saut, mais bon je vais essayer en tout cas. Merci ma sœur pour ce gentil cadeau et pour me faire savoir que voilà je dois perdre du poids. Mais voilà, non, en gros je suis vraiment contente de ça parce que c'est vrai que vu que j'ai commencé la gym récemment, bah je vais l'emmener avec moi, comme ça fera un très bon échauffement. Merci Bidou. Ensuite, là aussi j'ai eu un cadeau d'une autre personne de ma famille. Voici donc mon un portefeuille, merci. Un portefeuille de chez Fossil. Donc je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo wishlist, j'avais demandé un portefeuille, un nouveau portefeuille, parce que c'est vrai que mon portefeuille était vraiment trop gros, trop volumineux et puis un petit peu trop bling bling à mon goût. Enfin c'était vraiment un portefeuille d'adolescente que j'avais. Alors que là ben vraiment ça a un portefeuille Fossil. Magnifique, enfin voilà, il s'ouvre, vous pouvez mettre tous vos cartes, vos machins.
Enfin, voilà, vous avez ici pour mettre votre argent, ici pour mettre la monnaie. Et puis le cuir, enfin, je veux dire, la matière est super. Enfin, c'est vraiment de la belle qualité, quoi. Et maintenant, j'ai une montre et un portefeuille assorti, donc je suis super contente. Merci à la personne qui me l'a offert. J'ai eu aussi un livre donc, qui s'appelle Xenia de Gérard Mordillat. Donc en fait, j'ai lu, j'ai pas commencé à lire encore, j'ai pas encore lu réellement, j'ai pas vraiment eu le temps à vrai dire. Mais en gros, voilà, c'est une histoire en fait d'une dame qui a 23 ans et qui a un bébé de 5 mois. Et en fait, elle se retrouve sans emploi, sans rien. Et donc en fait, elle nous raconte un petit peu la galère enfin qu'elle vit. C'est vrai que bon, moi j'aime bien ce genre de livre, j'adore tout ce qui est livre, on va dire un peu autobiographique, biographique, qui montre vraiment les vraies choses. J'aime bien les choses de science-fiction, mais je préfère les choses vraiment qui tiennent vraiment de la réalité. Donc merci papa pour ce livre. Ensuite de ma tante et de mon oncle, j'ai eu, je sais pas si ça va pas briller avec la lumière, mais je vous ferai passer une image un petit peu plus claire. En fait c'est un, comment dire, ce sont des pinceaux. Voilà, en fait ça se présente comme ça. En fait, si vous voulez, vous avez une sorte de petit cadran noir avec un aimant au bout. Et en fait, chaque pinceau a le bout du pinceau aimanté, donc en fait, vous avez simplement à le clipser en fait, pour éviter que, voilà, que ça prenne la poussière. Et moi, franchement, je trouve que c'est une super idée parce que c'est vrai que, enfin, on n'y pense pas. Et c'est vrai que moi, mes pinceaux, ils traînent un petit peu de partout là dans ma chambre et c'est un peu la galère. Donc là, franchement, c'est super bien que vous ayez juste à clipser sur le cadran. Si jamais vous le lavez, vous le reclipsez. Vous n'avez pas besoin de mettre de serviette ou faire gaffe que, voilà, ça prenne pas la poussière. Donc là, franchement, c'est vraiment top. Donc merci beaucoup. Ensuite, des parents intimes. Donc là, les parents intimes aussi m'ont énormément gâtée. Alors j'ai eu en fait une boîte L'Occitane. Je vais vous montrer ce qu'elle est quand même grosse. Je vais vous faire un plan un petit peu plus rapproché de tout ce que j'ai eu. Donc voilà, j'ai eu en fait une boîte L'Occitane. Donc une grosse boîte avec plein de choses à l'intérieur. Donc en fait à l'intérieur, vous avez des gels douche, vous avez du parfum. Alors j'ai eu donc le lait corporel à la verveine qui est super. J'adore en plus l'odeur de la verveine, ça sent tellement bon. Ensuite, j'ai eu aussi le gel douche à la verveine, pareil. J'ai eu aussi le gel douche à l'amande, l'huile d'amande douce. Je crois que c'est l'huile de douche, pardon, à l'amande. Et franchement, ça, j'avais déjà essayé récemment, je l'avais acheté pour l'essayer. Et franchement, cette huile de douche, enfin, c'est ma préférée. Maintenant, je n'utilise que ça quasiment pour me doucher. Enfin, je voulais vous le mettre dans un favori, mais je pense que je vous en parle déjà parce que là, franchement, ce truc, si vous pouvez l'essayer, c'est génial. Ça sent bon, vous sentez bon pendant des heures et tout. Enfin, j'adore. Et puis la peau, elle rend la peau tellement douce. Enfin, franchement, ça, c'est vraiment une tuerie. Enfin, franchement, c'est mon préféré, ça, j'adore ça. Vous avez aussi donc le shampoing. Enfin, j'ai aussi le shampoing aux huiles essentielles, aux 5 huiles essentielles. J'ai aussi l'après-shampoing aux 5 huiles essentielles. Après, j'ai eu une petite eau de toilette à la verveine. J'ai eu aussi deux savons, deux savons en pinte. Et enfin, j'ai eu aussi deux petites crèmes pour les mains, une crème pour les pieds. Et voilà, à la eau lait d'amande et une normale, celle de l'Occitane, la bleue, qui est que j'aime énormément. Pareil, les crèmes pour les mains, moi j'achète que ça pour les crèmes pour les mains parce que moi je trouve que ceux de l'Occitane, ce sont pour moi les meilleurs en tout cas. Et là franchement j'ai été vraiment gâtée, merci beaucoup encore, mais voilà, trop trop contente. Aussi des parents intimes, j'ai aussi cette paire de boucles d'oreilles, je sais pas si je vais vous mettre un zoom. En gros donc cette paire de boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles en topaz et moi c'est vrai que le topaz c'est vraiment ma pierre préférée. Enfin moi tout ce qui est bleu, bleu clair, bleu marine, bleu turquoise, c'est vraiment mes couleurs. Et enfin voilà, je les trouve super belles. Enfin ça c'est les parents intimes encore qui m'ont offert. J'ai le collier en fait déjà qui m'avait offert l'année dernière pour Noël précédent et maintenant j'ai les boucles d'oreilles. Et franchement c'est trop beau. Moi j'adore quoi, elles sont trop 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 belles et enfin c'est vraiment mes goûts donc je suis contente. Ensuite la sœur à Tim m'a offert un truc que j'adore. Enfin moi c'est vrai que je suis un peu bizarre comme fille, enfin bizarre. J'aime bien tout ce qui est un petit peu. Enfin moi je suis un peu superstitieuse et je crois un peu à tout ce qui est tout ce qui est comment dire comment ça s'appelle, tout ce qui est pendule, tout ce qui est attrapeur de rêves et trucs comme ça. C'est vrai que j'y crois au pouvoir des pierres, au pouvoir des machins. Je sais c'est un peu bizarre mais moi j'y crois donc c'est comme ça. Je ferai peut-être une vidéo un jour, je sais pas si je la ferai mais on verra, mais un jour parce que j'ai plusieurs pendules à la maison et c'est vrai que je m'en sers des fois mais c'est rare.
Mais peut-être que si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les pendules, comment s'en servir et tout. Mais c'est vrai que voilà, j'adore ce genre de choses. Et donc la sœur à Tim, en fait, elle m'a offert un attrapeur de rêve. Alors l'attrapeur de rêve, comment dire, moi j'adore ça, j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Parce que déjà d'une, je trouve que c'est une pièce magnifique. Moi je trouve que c'est vraiment esthétique à mettre dans une chambre, c'est magnifique. Et en plus de ça, si jamais ça marche et que ça attrape vraiment les rêves, enfin les cauchemars plutôt, moi je suis preneuse. Donc franchement, enfin moi ça, j'adore. Enfin je trouve ça trop beau en fait, c'est vraiment une belle pièce, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre un peu partout chez soi. Et qui donne tout de suite un petit côté un peu voilà, un petit côté un peu sympa à une pièce. Voilà, j'adore. Merci Yann. Et aussi de la sœur à Tim. Une nouvelle fois, j'ai eu aussi. Donc vous avez du bruit, c'est rigolo. J'ai eu aussi un petit. Comment on appelle ça? Je sais pas trop. Une sorte de. Ouais, de clochette, vous savez, de carillon. Voilà, c'est un carillon. En fait, que lorsque vous ouvrez une porte, ça fait du bruit. J'adore ce bruit, c'est trop beau. Et ouais, donc franchement, super contente de ça. C'est vraiment magnifique, quoi. Franchement, c'est une belle pièce. Et c'est vrai qu'avec Tim, là, on aimerait bien un jour déménager, avoir une petite maison. Et ça, je vois tellement ça, soit dans mon jardin ou sous ma véranda, si j'ai une véranda. Mais je trouve ça trop, trop beau. Ensuite, donc, de ma maman. Ma maman, elle m'a offert deux écharpes. Donc, une déjà, alors la première qui est vraiment magnifique, qui a des couleurs superbes. Chez elle m'a dit qu'elle l'avait acheté au marché de Noël à Bourg-en-Bresse dans ma ville. Et enfin moi les couleurs, c'est vraiment mes couleurs quoi, le vert, bleu, orange, c'est vraiment multicolore, mais je trouve que ça se porte tellement bien avec du noir, avec du marron, enfin ça se porte avec tout en fait. Et c'est vraiment des couleurs super mignonnes, super chatoyantes quoi pour l'hiver. Moi je trouve que c'est beau. Et franchement j'adore cette écharpe. Merci maman, elle est trop belle. Et aussi j'ai une autre petite écharpe, petit foulard, avec des noirs avec des petits cœurs beige dessus, pareil, enfin, moi je trouve ça trop joli. Moi j'adore, enfin tout ce qui est foulard, écharpe, c'est vraiment quelque chose que j'adore avoir, surtout que j'en ai 15 millions à la maison, mais j'adore quoi, c'est juste trop beau, moi ça me plaît, puis en plus dès que c'est tout doux, moi ça me rend folle, donc j'adore ça, voilà. Merci maman. Encore une fois de ma maman, c'est vrai que maman j'avais demandé d'avoir une boîte à bijoux, et c'est vrai que tant voulu que j'ai pris qu'un seul petit bagage à main, je pouvais pas me balader avec une énorme boîte à bijoux à ramener chez moi, donc elle m'a acheté en fait un petit arbre à bijoux, que je trouve super beau. J'ai mis tous mes bijoux dessus, mais en tout cas ça marche, comme quoi. Mais voilà, c'est super beau, enfin moi je trouve ça trop mignon. Et c'est vrai que j'en avais vraiment besoin, parce que moi mes bijoux là ils se baladaient partout dans l'appart et c'était une catastrophe. Donc en fait ça se présente avec l'arbre, vous pouvez mettre tous vos colliers, vos bracelets. Et en fait vous avez une sorte de petit reposoir qui se trouve en bas là. Et on peut mettre vos bagues ou toutes les boucles d'oreilles qui ne peuvent pas tenir dans l'arbre. Et moi je trouve ça trop joli quoi, ça donne tout un petit côté sympa, une pièce, moi j'adore ça. Donc voilà, ça c'était ma maman, merci maman encore. J'ai eu aussi des superbes boucles d'oreilles, c'est vrai que cette année j'ai eu quand même énormément de boucles d'oreilles. Et là j'en ai eu en fait de mon parrain qui m'a offert en fait des boucles d'oreilles super belles en sorte d'or, je crois que c'est en or blanc. C'est trop trop joli quoi, franchement c'est magnifique, je sais pas si vous arrivez à voir, je ferai passer une petite photo. Enfin voilà, franchement je m'attendais pas à autant de cadeaux, je m'attendais pas à autant de... Enfin, je m'attendais pas à être gâtée comme ça personnellement, parce que c'est vrai que moi-même, je pensais qu'on n'allait pas tous se faire des cadeaux comme ça. Et c'est tellement beau quoi, c'est tellement beau, je n'arrive pas à me rendre compte en fait que voilà, j'ai eu tout ça. Enfin, je veux dire, les cadeaux en eux-mêmes, c'est pas ça. Enfin, c'est vrai que c'est l'intention qui compte, c'est tout à fait vrai. Mais voilà, c'est vrai de voir que voilà, j'ai été gâtée comme j'aurais pu l'être gâtée lorsque j'étais enfant. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, ça réchauffe. Enfin, moi, ça me plaît, quoi, c'est trop bien. Merci, parrain. Donc, le cadeau vraiment au top. Enfin, voilà, tous mes cadeaux sont au top, mais lui, vraiment, il est au top. Ça, c'est Tim qui me l'a offert. Et franchement, c'est une tuerie. Donc, il m'a offert un manteau. Il est trop beau. Voilà, il m'a offert un beau manteau. Un beau manteau de chez Mango, pour le voir. Et en fait ce manteau il est de couleur un peu marron clair, très clair. Et il est d'une douceur et en fait c'est un manteau long, assez long, même très long. Et en fait c'est vrai que, étant donné que je suis assez petite, on pourrait croire que ça m'irait trop long. Mais en fait moi je trouve que ça me va bien, enfin moi j'aime bien. J'adore ce style de manteau, ça fait tout de suite classe en fait quand on porte ça. Et en fait voilà, donc ça fait, je sais pas si vous voyez.
Et il est d'une beauté ce manteau, enfin franchement, il est magnifique, il est doux, il est chaud aussi parce qu'il est doublé à l'intérieur, enfin il est magnifique quoi. Vous avez aussi la petite ceinture qui va avec, tout comme ça là, vous avez la petite ceinture pour entourer la taille, vous avez des boutons pression, vous avez une fermeture éclair pour pouvoir bien le fermer, le col il est magnifique. Voilà, vous pouvez le tourner comme ça, enfin je sais pas si vous voyez. Mais bon voilà, il est trop trop beau et franchement, enfin... C'est trop beau, enfin, c'est trop beau, un trop beau cadeau, donc voilà, je suis trop contente. Et enfin, j'ai aussi eu des boucles d'oreilles de ma tante que j'ai laissé chez moi en France, que j'ai oublié de ramener avec moi. J'ai eu aussi de l'argent, enfin voilà, j'ai eu de l'argent par ma famille. Enfin, c'est vrai que voilà, j'ai été énormément gâtée, comme je vous l'ai dit. Je pense n'avoir rien oublié, j'espère pas en tout cas, sinon ça craint. Mais si, ma soeur aussi m'a offert du savon avec des savons, parce que vu qu'elle habite à Marseille, elle m'a offert des jolis pains de savon de Marseille avec un lait pour le corps de savon de Marseille. Le copain de ma soeur nous a offert des super bouteilles de vin, voilà, enfin c'était trop, enfin voilà, j'étais gâtée comme je sais pas quoi, donc c'est vrai que c'est trop cool. Donc voilà, donc là on arrive à la fin, finalement, désolée la vidéo elle doit être super longue, mais c'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai été vraiment gâtée cette année, et enfin, je me suis toujours gâtée de toute manière, je sais pas pourquoi, je suis toujours en train de me dire ah je suis gâtée, mais c'est tout le temps la même chose. Donc je vais pas m'en plaindre, bien sûr, je suis super heureuse, super contente d'avoir passé Noël avec toute ma famille. Enfin, je pense que c'est vraiment le plus beau des cadeaux du monde, c'est de passer Noël avec toute ma famille et voir que tout le monde va bien. Et voilà, c'était vraiment au top, j'ai vraiment passé un super Noël, j'ai vraiment... voilà, j'ai passé un excellent moment chez moi et j'ai hâte d'y retourner l'année prochaine. Enfin, j'ai hâte d'y retourner déjà cet été parce que je retourne toujours l'été, mais c'était trop trop bien. Voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année 2016. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo si elle vous a plu, de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Donc, en tout cas, merci encore de me suivre sur ma chaîne, merci encore d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Et voilà, je vous aime fort. À très bientôt, ciao. Coucou les amis, bah écoutez, je vous souhaite une super bonne année 2016. Ça y est, on me revoit là enfin sur YouTube. Je suis désolée de mon absence, mais pendant les deux semaines de vacances, j'ai été quand même assez, voilà, assez occupée. J'ai été en France la première semaine, si jamais vous avez suivi.